Nous bénissons nos bon Dieu qui bat nous opportunité pour nous capables ensemble matin. Hein? Et non seulement pour nous ensemble, mais pour nous capables partager parole li. Donc, nous avons passé un bon moment en présence li pendant que nous avons chanté Cantique. Donc, c'est un moment qu'on y a pour nous capables recevoir ça dit. Gagne pour nos matins comme message. Donc nous espérons que vous êtes disposé, disponible pour capable joindre message pao dans ça que bon Dieu voulait voyer pour peuple matin. Donc j'ai entendu l'évangéliste t'a dit dans prière li, donc nous gagne une série de messages que bon Dieu inspirez-nous pour nous prêcher l'église là depuis quelque temps. Bon, bien entendu, je ne pense pas que je fais tout le temps ça. Je ne pense pas que je fais tout le temps ça. Je pense que nous avons fini. Et bon, nous espérons que nous ne pas faire le temps encore. T'as dit, pasteur. Ok. Donc, sujet A, c'est soyez libre. C'est ça le sujet, c'est soyez libre. C'est une série de messages que bon Dieu t'a inspiré nous pour nous prêcher depuis un mois de décembre. Depuis décembre, pendant que tu as devant l'âme, tu as joué et puis tu as adoré. Et puis, senti bon Dieu a demandé pour me faire ça, mais des fois, les bon Dieu m'a demandé de faire des choses, des fois, on a toujours fait logique. A fait y parler pour etc. Mais au final c'est ça bon Dieu voulait, c'est lui même qui a fait. Amen. Jean chapitre 8 verset 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. On dit ensemble avec moi, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc nous avons fait plusieurs interventions déjà à côté que nous avons parlé de cette liberté que bon Dieu lui-même lui baille. Et que la dernière fois c'était 3 mars côté que nous t'ai partagé avec vous une liste de versets qui parlait côté que nous t'a parlé de la liberté face à la pauvreté. Donc nous t'ai baillé une liste de versets qui t'ai parlé de questions ça, qui t'ai parlé de Dieu, notre Dieu qui est un Dieu de richesse, qui c'est un Dieu d'abondance. Donc, nous espérons que vous prenez le temps dans le jour qui est passé pour te lire texte. Bon, bien entendu, matin, nous pas vraiment entrer à fond dans le texte. Nous pas vraiment entrer à fond dans le texte. Je vais seulement rappeler le texte et puis nous partager directement ce que bon Dieu confie nous pour nous partager avec vous matin. Texte de base là, c'est Jean 8, verset 36. Nous t'ébaillons 2 Corinthiens 8, verset 9. Nous t'ébaillons Marc 10, verset 17 à 24. Nous t'ébaillons Philippiens 4, verset 19. 1 Timothée 6, 17. Apocalypse 2, verset 9. Apocalypse 3, verset 17, 18. Genèse 26, verset 13. Genèse 36, verset 7. 1 Roi 10, verset 23. 1 Chronique 29, verset 28. 2 Chroniques 32, verset 27, Psaume 62, verset 11, Psaume 112, verset 3, Proverbe 11, verset 24, notez bien Proverbe 22, verset 2, Jérémie 9, verset 23, Malachie 3, verset 6 à 12. Donc, c'est ensemble de textes, peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous va être cité ou bien qui échappe nous. Donc, c'est en gros ensemble de textes que nous te baille, qui te parlé de notre Dieu qui est un Dieu de richesse, bien que en pile monde pensait que depuis que vous avez servi bon Dieu, c'est normal pour que vous vivez de manière constante dans la pauvreté. Mais texte, même si nous beaucoup entré vraiment à fond dans texte, mais une fois que vous commencez lire, c'est sûr et certain que vous avez commencé par comprendre philosophie, vous avez commencé à comprendre sujet. Donc soyez libre face à la pauvreté. Donc c'est un sujet qui est très large, c'est un sujet qui est très vaste.
Donc, si nous sommes capables de commencer, vous nous avez dit que pauvreté, vous êtes capable de opposer qui c'est richesse. Donc, nous voulons dire exactement. C'est comme si le message que nous avons gagné matin, un papillon message, gens que nous connaissons comme à l'ordinaire. Donc, nous voulons dire exactement ça que bon Dieu lui-même lui inspire nous pour nous dire avec le matin. Donc, pour être libre face à la pauvreté, gagner deux concepts clés que vous devez saisir. Il y a deux concepts clés que vous devez comprendre. Premier, c'est la réalité. Deuxièmement, c'est la mentalité. Premier, c'est la réalité. Deuxièmement, c'est la mentalité. Donc, ça n'a pas dit là, ce n'est pas dans le livre que nous lisons. Ok? C'est pas dans le livre que nous lisons. Donc, c'est des inspirations que bon Dieu lui-même lit à nous. Donc, nous espérons que même bon Dieu, ça a permis que vous arrivez à comprendre. Pour libre face à la pauvreté, il y a deux concepts clés que vous devez comprendre. C'est la réalité et la mentalité. Est-ce que l'Église a dit réalité et mentalité? Réalité et mentalité. Ok, je pense que j'aimerais lire, si quelqu'un qui t'a voulu écrire, capable d'écrire quelque chose, parce que nous ne pouvons pas aller rapide, pour que nous capables de dire ce que nous devons dire exactement. La réalité et la mentalité. Donc, la réalité est externe, la mentalité est interne. La mentalité est interne, la réalité est externe. Et c'est la mentalité qui fait toute la différence. Bon, je bénis l'église là. La réalité, la mentalité. La réalité est externe alors que la mentalité est interne. Donc, la réalité est visible alors que la mentalité est invisible. Donc, c'est ça que moi gagne à l'intérieur de moi, qui c'est la mentalité, alors que la réalité, c'est ça qui paraît aux yeux de tout le monde. C'est ça qui saute aux yeux, qui c'est la mentalité. Donc, nous sommes réellement pauvres, pas parce que forcément nous vivons la réalité d'un pauvre, mais parce que nous avons la mentalité d'un pauvre. Dieu bénis-nous. Nous sommes réellement pauvres, pas parce que nous vivons la réalité d'un pauvre, mais c'est parce que nous avons la mentalité d'un pauvre. Donc, être riche et être pauvre, c'est d'abord une question de mentalité. Une question interne. C'est ça qui va faire réellement la différence entre quelqu'un qui est pauvre et quelqu'un qui est riche. Donc, en pile monde, c'est peut-être là, il y a accentué sur la réalité. Pour être capable de catégoriser soit un riche, soit un pauvre. Mais la réalité peut être passagère. La mentalité capable beaucoup plus durable que la réalité. Donc, ma première phrase là, nous sommes réellement libres, réellement pauvres, pas parce que forcément nous vivons la réalité d'un pauvre, mais parce que nous avons la mentalité d'un pauvre. La mentalité peut changer la réalité, tout comme la réalité influence la mentalité. Mais la mentalité est plus puissante que la réalité. La réalité peut être trompeuse, uniquement visible, mais la mentalité ne trahit pas. Pendant notre intervention, le premier, ça m'vlou interniser sur lui, interniser sur façon ou même ou penser. Façon penser, ou façon, sous qui sort et même méditer. Sous qui ça qui gagne tout le temps. Sous qui ça ou accentuer l'esprit ou. C'est notre mentalité qui nous tient en captivité, mais non notre réalité. C'est mentalité ou façon penser, façon où est la vie, façon où voir les choses,
qui kembe ou en captivité et non ça peut-être ou à vivre. Parce que si ça ou à vivre jodi a, c'est eux même qui demeurer dans mentalité ou donc ou appelé pour faire toute reste vie ou à vivre la même réalité. Est-ce que l'église a compris ça m'a dit à s'il vous plaît? Ma réponse ça me dit encore. Donc si ça ou à vivre jodi a, c'est lui même qui seulement en pensée ou. Donc ou appelé si c'est lui qui domine mentalité ou. Donc ou appelé pour faire toute vie ou à vivre la même réalité. Donc jodi a ou gen doit pas gagner, ou gen doit si ou besoin 10 000 dollars pour tenir ou gen doit pas gagner. Donc si ou toujours à vivre avec même mentalité que ou pas jamais gagner 10 000 dollars là, donc ou appelé pour demeurer dans cercle ça. Donc Dieu bénit nous, ou appelé pour demeurer dans cercle ça. Donc faut que nous fassions en pile attention face à ça que on va vivre comme réalité et ça que on gagne comme mentalité. Bon Dieu bénit nous. Notre réalité, c'est ce que nous vivons actuellement. C'est ce que les autres voient, perçoivent. Mais la mentalité, c'est ce que nous croyons, ce que nous cultivons, ce que nous méditons. Parole ça yo bon Dieu a ban moyo pendant non camionnette sur route Delma. Pendant non camionnette sur route Delma et pendant non camionnette là, me senti l'esprit de Dieu a parlé avec moi et puis m'enik râler en plume, me râler en livre parce que me pas gain feuille dans même râler en livre dans même m'écrit tout ça m'a dit là dans livre là. Donc c'est deux paroles que ou doit mettre en pile accent sur yo et qui appelé pour transformer vie ou. Façon que le Saint-Esprit de Dieu a aidé au capable comprendre yo. Donc réalité mentalité. Donc nous pas parler en pile bagarre dans message, c'est deux mots ça seulement n'a parlé. Réalité mentalité. Nous espérons que vous a bien comprendre ça que bon Dieu veut partager avec vous là. Nous sommes la résultante de ce qui baigne notre être intérieur. Ça va penser c'est ça ou y est. Ça va méditer c'est ça ou y est. Donc si vous pensez comme un pauvre, donc vous êtes un pauvre. Donc même si mon terrain doit ouais que ou ka demeure non belle caille, mais pourtant on sont pauvres. Parce que être intérieur, l'esprit ou réflexion, méditation, c'est de bail qui est aussi pauvre. Donc, ça qui imprègne être intérieur, c'est résultat lié. Donc, si chaque jour, ou ap réfléchi que, ou ap médité que, ou pas devenir un dans la vie, donc c'est rete, ou ap rete, ou ap que, ou pas devenir un yé. Mais là que, ou ap pense à de grandes choses. Donc, penser ou ap pense à de grandes choses, là, c'est comme si c'est une sorte d'énergie qui vient dégager à l'intérieur de vous-même, qui pour pousser à l'action, qui pour pousser à l'aventure, pour que, pas sur l'aventure, non? Qui pour pousser à l'aventure, pour que ça que, qui a bouilli en dedans là, pour finir par accoucher. Parce que, ça que ou a c'est lui a fini par accoucher. Ça qui a bouilli en dedans là, c'est lui a fini par accoucher. Et même si, deux mouns qui devenir de grands choses aujourd'hui, hein, font-ils rejoindre avec eux, mandez-vous depuis qui leur a nourri bagay ça, à l'intérieur de eux-mêmes. Mandez-vous, est-ce que c'est du jour au lendemain, ils ont juste atterri comme ça? Tu t'as rencontré Obama, on t'a demandé Obama, comment, en tant que noir, il fait devenir président des États-Unis? L'a dit ou, l'a expliqué ou depuis qui leur qu'elle t'a gagné rêve ça? Depuis qui leur mentalité, elle t'a vivre avec une mentalité de président? Parce que je dis à tout le monde qui a ouais ou à vivre non réalité de pauvre, mais pourtant mentalité ou son mentalité de grand. Bon Dieu bénit nous. Bon, j'espère que bon Dieu fait nous comprendre parce que c'est comme ça nous senti nécessité pour nous bon Dieu demander pour nous parler avec au matin. Nous espère que bon Dieu permette que vous comprenne. Donc tout le monde qui a ouais aujourd'hui a ou non situation difficile, mais ou même moi vivre avec une mentalité de riche. Donc, libre face à la pauvreté, c'est d'abord au niveau de l'esprit.
au niveau de la mentalité d'abord pour ou libre face à la pauvreté. Vous êtes ce que vous pensez, ce que vous croyez et non ce que vous vivez. Car ce que vous croyez peut transformer ce que vous vivez. Sans croire qu'à transformer ça va vivre là. Donc peut-être en pile dans nous qu'il a à vivre des moments difficiles. Mais comment mentalité oui. Et même tout en pile monde qui suicide tête yo, c'est pas forcément la réalité qui fait suicide tête yo. Mais c'est la mentalité. Dieu bénit nous. C'est la mentalité, c'est pas la réalité. Donc ça même tout là son véritable combat lié tout son véritable culture. Pour arriver dans niveau ça, pour cultiver une mentalité positive, quoi que on vive une réalité qui est difficile. Donc Dieu bénit vous. Cultiver une mentalité positive, quoi que on vive une réalité qui est difficile. Et c'est ça qui a amené d'abord vers la liberté que n'a pas les là, qui c'est la pauvreté. Donc, nous pas prétendre pour nous parler de plusieurs paradigmes, ça, parce que, gain riche, gain pauvre, gain riche. Donc, mentalité, a capable de transformer réalité, a. Et c'est première clé que n'a pour matin hein, pour capable libre face à la pauvreté. C'est transformer, changer votre mentalité. Changer votre mentalité. Votre façon de penser. Votre façon de voir les choses, de voir la vie. Surtout dans le cas, question pose à tout comment penser, comment réfléchir. C'est comme si nous avons dit que penser c'est comme de l'eau. L'esprit nous, c'est comme de l'eau. Être intérieur nous, c'est comme de l'eau. Et méditation nous, c'est comme si nous avons dit son pot de jus. Est-ce que nous avons s'il vous plaît? C'est comme si on avait dit être intérieur. Mind, pensée, l'esprit, ou mentalité, c'est comme si son de l'eau. Et puis, ça va méditer, ça va mettre là-dedans, c'est comme si son pot de jus. Donc, l'on prend pot de jus, ou maintenant de l'eau qui s'albaille, lui exactement vient prendre couleur pour de côté mettre là-dedans. Il prend exactement couleur pour de côté mettre là-dedans. Si vous mettez en poudre rouge, la couleur rouge. Vous mettez jaune, la jaune. Donc, ça que vous baignez l'esprit, ça que vous arrosez l'esprit avec l'IA, c'est ça que la baille comme résultat. C'est ça que la transformer. Donc, de l'eau, li prend couleur poudre là. Qu'on y a qui ça ou même ou bail à l'esprit ou comme nourriture. Et c'est même gens on moun ouè qui fait ka déjà que son fille. En pile fois c'est pas le même moment. On moun ouè tombé dans adultère, ba konnen, c'est pas le même moment que le té ouè moun nan. Mais il était gon pensé. Il t'a nourri la pensée. Gontre qui dit c'est la pensée qui mène le monde. C'est la pensée qui mène le monde. C'est pensée qu'a fait au grand. C'est pensée qu'a fait arriver à atteindre niveau que vous voulez atteindre, objectif que vous voulez atteindre. À qui ça penser? À qui ça méditer? Comment concevoir la vie?
qui comparaison fait entre réalité ou et mentalité ou. Gagne yon moun ki te malade. Et puis il allait kay médecin, mais il te gon maladie qui est assez grave. Médecin mandé pour l'opérer. Donc il accepté li opérer. Malgré médecin te wè que cas il était un peu vraiment dépassé. Mais li opéré patient. L'elle fin opéré, l'opération pas réussi, li wè que patient ap mouri quand même. Donc li wè fait tout ça le capable et patient ap mouri, il a perdu la ville. Et puis médecin juste dit bon, déjà qu'on est là mouri, m'pral dit ça pral dramatiser bagaille beaucoup plus. Et puis médecin juste décidé bali exéa fait la caille. Mais médecin que te connaît que le pral mouri. Mais médecin pas dit ça. Et puis patient aller la caille réellement pour lui, il s'est subi en intervention chirurgicale, donc tout bagaille bien passé, bon ça le gagné comme maladie a puisque médecin t'a opéré pour ça, donc il opéré pour ça, tout bagaille fini dans la caille avec mentalité guéri, un monde qui guéri. Mais médecin senti il bouleversé parce que monde qui dans domaine santé yo connaît ça, alors on patient en main ou on fait toute sorte capable pour balayer la vie et puis ou même ou que tant ouais que le pral mourir. Donc en tant que professionnel, ça a choqué ou. C'est joindre pour ta jeune médecin pour ta demander comment le sentir le ou le grand monde nan men moun nan pral mourir et puis il paraît crasse moyen pour le sauver. Patient la kayli dans tête li opération réussi le guéri, même dans tête dans médecin connaît monsieur pral mourir. Le médecin connaît la réalité. Mais le patient, il part avec une mentalité. Et puis, patient la kayli, après un certain temps, patient retourne, vient nous remercier. Donc là, oh doc, merci beaucoup. Tout a été bien passé, etc. Bah, docteur à la main. Bah, bah. Docteur a saisi. Docteur a pas qu'à comprendre. Ça qui passe là. Yon moun kel konen voye ale kap mouri. Mais moun sa retourne vin remercier. Parce que opération kel te fait a, li te bien passé, li te bien réussi, koun yal en bonne santé, etc. Donc, c'est la mentalité et la réalité. Patient la kali pou li konen pas malade. Donc plus que le connaît pas malade, il pas chita penser si médecin te dit l'a mouri, il t'a mouri vrai. Parce que tu as pas le penser, réfléchi. Mais le parti là la caille, il saute faire opération, le parti avec mentalité que le guéri. Alors que médecin dans réalité, il connaît son monde qui pral mouri. La mentalité, la réalité. M'pa konnen ki réalité que ou ap viv pour le moment. M'pa konnen ki réalité ou ap viv depuis quelque temps. Mais est-ce que ou ap viv a yon mentalité que réalité que ou ap viv jodi ou ap demeure de manière permanente là-dedans? Est-ce que c'est avec mentalité ça que vous vivez? Et message que nous avons pour vous matin, c'est changer mentalité. Ou pensez trop bas. Ou pensez trop comme pauvre. Ou pensez trop comme pauvre. Ou pas qu'à petit, ou vivez avec une mentalité que vous n'avez pas qu'à gagner, ou pas qu'à posséder. Changer façon penser. Ou penser trop rase. Ou penser trop inférieur.
Ou à vivre à une mentalité côté que là où est un tel grand bagage, c'est celle qui a gagné. Ou même qui a gagné tout. Changer façon de penser l'église là. Changer mentalité. Et pays a tout ça. Pays a traversé un grave problème de mentalité tout. Nous, un pays sous-développé, c'est par rapport à notre mentalité sous-développée. Nous sommes sous-développés par rapport à notre mentalité sous-développée. Nous pensons comme un peuple sous-développé. Nous agissons comme un peuple sous-développé. Donc, l'Église sous de la grâce, livre face à la pauvreté, c'est d'abord penser comme un grand. Penser comme un riche. Faut riche d'abord au niveau de l'esprit. Faut riche d'abord au niveau de l'imagination. Faut riche d'abord au niveau de méditation. Parce que, ou quand on moun qui doit gagner combien de copes passer dans le monde et puis moun ça toujours demeurer dans la pauvreté. Parce que le pas de chambre gros mentalité de riche. Yon moun qui doit vivre dans la pauvreté alors que li rate en pile opportunité pour te devenir riche. Mais il pas ka saisi yo. Parce que il pas de gros mentalité de riche. Mais moun ka vivre avec mentalité de riche là, moins opportunité qui offre à lui-même, l'a saisi. Moins occasion qui offre à lui-même, l'a saisi. Parce que tu es déjà à vivre avec une mentalité de grand, une mentalité de riche. Si c'est pas une façon à penser. Parce que façon à penser, à kembo koto ye. Façon à penser, à kembo koto ye. Il y a une autre clé. Peut-être que nous avons cherché sur l'autre clé. L'autre clé pour rendre un livre face à la pauvreté, c'est comprendre la loi de la semence. La loi de la semence. Qui est extrêmement important pour rendre un livre face à la pauvreté. Et l'autre bagaille, c'est honorer Dieu. Honorer Dieu. Mais maintenant, je voulais accentuer sur la réalité et la mentalité. Parce que si vous ne comprenez pas deux concepts, vous mettez tout le bagage offert à vous-même ou à demeurer pauvre. Est-ce que vous voulez changer façon de penser? Est-ce que vous voulez changer façon de réfléchir? Font-ils si poser ta question, comment me penser? Par exemple, prendre l'église ça là, est-ce que vous êtes à penser, nous sommes toujours là, en bon petit béton, etc. Est-ce que vous pensez pour nous avoir une église qui est climatisée? Une église qui a un système multimédia en donne? Pendant que le culte là a fait là, et puis le monde entier, en un clic seulement, capable de vivre le culte là qui a fait. Quel que soit côté lié à travers le monde. Donc alors, pour, si nous avons une mentalité que nous avons toujours été en bas béton, on a pris là. Parce que nous ne pouvons pas faire aucun effort pour retirer nous en balle. Si vous pensez que nous avons un système là, pour vivre, nous chanter deux, trois petits chants, vous allez. Parce que vous tellement réduit là-dedans, vous n'avez pas voix chrétienne encore. Faut penser grand. Faut penser n'a un système on là côté pasteur a approché ville là, il pas besoin de parler en micro qu'un Benjamin un de test. La tout gon petit micro à cravate qui taché sous lit et pendant la vinien seulement l'ouvre volume là pour lui la parler. Bon, sou pas commencer penser comme ça.
appelé pour demeurer là comme ça, oui. En pile jeune, vie au gâché, c'est mentalité yo, qui rend vie au gâché. Peut-être que les jeunes qui avec une mentalité que depuis qu'ils font des filles, ils sont bon. C'est la mentalité ça y a vivre. Il y a deux zones qui vivent dans la mentalité que depuis qu'ils font 9e année, ils sont bon.